Pourquoi ça continue au Congo? Il y a un grave problème d'impunité. And why does this happen, continue to happen in Congo? Well, it's because of there's a very serious problem with impunity. Et je pense que on a essayé de construire la paix en mettant la justice sur, en sacrifiant la justice sur l'autel. And I think that we've tried to make peace and at the same time putting justice on the altar of sacrificing. Le sacrifice. Justice for peace, for the sake of peace. Yeah. Mais aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice. But today we have neither peace nor justice. Et je crois que la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de construire une armée sur la base de groupes armés qui ont violé, qui ont détruit, qui ont pillé, qui ont tué. Et on a regroupé, c'est comme si on regroupait des bourreaux ensemble pour leur demander de protéger leurs victimes. Et cette armée n'a jamais fonctionné. And the problem is that the present army has been put together by former groups that have just done these horrible things of raping and killing and pillaging and it's like you give the person who what's the word? Bourreau. Bourreau. What's in English? who commits, who kills, who the death sentence, to ask them to go back and protect their victims. Et ceci ne peut pas marcher. And this cannot work. Et on voit très bien ses limites. Et c'est pour ça que je crois nous avons vraiment besoin de votre soutien. Du soutien de la Suède, soutien de l'Union européenne pour pousser le gouvernement congolais à faire son devoir qui est de protéger sa population et ne peut protéger cette population qu'à travers une réforme du système de sécurité. And that's where we need the support from other countries, from the European Union, from Sweden, to help our own country to secure to develop, make the security system function. Et enfin, je vais terminer par dire, j'ai une pensée tout à fait particulière pour tous les staffs, tous les personnels des Panzi que je connais qu'en ces moments, ils sont dans une peur, ils vivent dans une insécurité, mais j'ai une pensée particulière, puisque je crois qu'ils ont fait un travail jusqu'à aujourd'hui, un travail qui m'impressionne beaucoup. Et j'ai une pensée particulière pour eux. I have a special thought for the people who work at the Panzi hospital at the moment. They at the moment they are very scared but I have this specific thought for them. Et je pense que ce que je peux leur dire, c'est de pouvoir répondre à la haine, répondre par l'amour. And I want to tell them to respond to this hatred with love. Parce que je pense que c'est seulement l'amour qui peut faire la différence. Because I think that it's only love that can make a difference. Je crois que la paix et la justice ne peuvent triompher que lorsque les gens montrent qu'ils peuvent aimer, même aller au-delà et même ceux qui nous font du mal. And I think that justice cannot work if we do not think about the other and care. Et donc j'ai une pensée toute particulière à eux. Qu'ils puissent continuer à faire leur travail avec amour, avec grâce et montrer aux gens que c'est possible de faire un monde juste où les hommes et les femmes peuvent être respectés de la même façon. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir en fait faire changer ceux qui commettent ces actes et les amener à comprendre qu'il y a une autre façon de faire qu'est la violence. And I want them, I have this thought for them that they should continue to do what they do in love and think that it's, believe that it's possible that there is a place, a world that can, that we can have where we care for each other, we love each other and that these things will stop because of the grace and the love that we can show. La violence ne peut générer que la violence. Because violence can only create violence. Et donc, je vous remercie en ayant tout espoir qu'ensemble, nous pouvons vaincre la haine. Ensemble, nous pouvons aider le Congo
à retrouver la paix. Merci beaucoup. And I think that together we can conquer this hatred and we can help Congo in this situation by going together in love.